Donc là, je me suis mise à réviser à 10h. J'ai révisé pendant environ 1 heure et demie. Et comme ça, j'ai revu une dernière fois mes cours. Alors, vous inquiétez pas, oui, je parle toute seule, mais c'est pour réciter ma leçon. Comme vous pouvez le voir, je me maquille. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour de bac avec ma deuxième spé. Hier, j'ai passé SES et franchement, ça s'est bien passé. Déjà, j'ai écrit 11 pages. Dès le début, j'avais les réponses aux questions. J'avais tellement appris mon SES. J'ai pris l'épreuve composée, donc pour ceux qui font SES, vous savez. J'ai pris la toute dernière avec 3 EC1 et une EC3. Et en gros, 3 EC1, ça veut dire 3 questions. Donc, les 3 questions en 30 minutes au brouillon, j'avais toutes les réponses. Mais c'est vraiment le fruit. De mon travail de folle depuis une semaine. Je me suis vraiment en fait isolée depuis une semaine. Je fais que réviser. Je révise avec mes parents, enfin, ma mère ou mon père, avec mes grands-parents. Je leur récite mes leçons d'SES, d'HLP. Donc voilà, l'SES c'est fait. Et moi je suis contente de ce que j'ai fait. Après je sais pas la note, hein. Voilà, on verra bien. Oui, comme vous pouvez remarquer, je mets beaucoup de temps à faire mes sourcils, mais là ils sont faits. Je me prépare, mais genre vite fait, puisque c'est pour l'épreuve, donc. On s'en tape, tu vois. Je vais même pas mettre de mascara. Et ensuite, je vais au bal ce soir. Donc là, je vais enfin me détendre, quoi. Puisque bah, j'étais tellement stressée. En fait, la bulle que j'ai créée, le stress que j'ai, ils vont bientôt s'arrêter. À 18h, c'est fini. J'ai épreuve de 14 à 18, comme hier. Tu sais, j'avais 7 chapitres à connaître par cœur. Enfin, en vrai, oui, par cœur. Du coup, c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps dans mes révisions d'ex-ES. Et oui, c'est vrai que j'ai un peu moins révisé mon HLP parce que c'est vrai que je me suis prise un peu trop tard quand même dans mes révisions. Une semaine avant le bac, j'ai un peu abusé. Quand je finis le bal, je vais chez ma meilleure amie. On se prépare ensemble et on va au bal ensemble. Ils ont loué une boîte à Bordeaux, connue, le Théâtre. Ils ont baptisé une salle pour tous les terminales de mon lycée. Ça va être incroyable, ça va être super. Je vais voir mes amis et je vais me détendre quoi. Enfin, je vais et réviser et me maquiller en même temps. J'ai fini mon make-up. Je mets le petit bracelet pour le bonheur de la madrée avec un trèfle. Donc là, c'est des eaux glacées que je vais mettre dans ma gourde pour avoir de l'eau bien froide. J'ai tout mis à côté. Super. Là, j'ai rangé ma chambre. J'ai tenté de faire un espèce de chignon approximatif, un truc avec mes cheveux, quoi. Parce que ce soir, j'enlève tout, donc voilà. Et c'est parti, mes grands-parents arrivent. Donc là, j'ai révisé 15 minutes avant de passer le bac aux toilettes. Super. C'est bon, je suis passée. Du coup, c'est enfin fini. Donc là, je suis chez Tiffaine. Bon, elle se cache. Je me cache pas. Je suis tombée sur un sujet que je maîtrisais. Du coup, il y a deux épreuves. Du coup, j'ai fait genre 8 pages sur la première épreuve et 7 pages sur la deuxième. J'ai fait du mieux que je pouvais. Après, on verra. Alors vraiment, il faut savoir que je ne lis jamais, sauf pour les cours. Et là, je suis tombée sur un livre, Pépite. J'ai trop kiffé. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's not... Du coup là, avec Sven, on ne sait pas. Là, on a fini de manger. Il est... Quelle heure ? Il est genre 21h10. Après, on va s'habiller. On va boire un petit apéro. Après l'apéro, il y aura son copain qui va arriver. Et après, on partira tous au bal. Là, j'enlève mes tresses. On regarde le résultat ensemble. Vous voyez, là, je suis bien préparée. Il manque les lèvres. Mais sinon, on est bien. Là, je suis en mode pyjama, mais on va changer tout ça. Vous inquiétez pas. On va mettre la robe. C'est parti. J'ai trop hâte. Je suis trop heureuse. Bon, les copains, on est prêts. Ça y est, voilà le résultat final.
Je suis coiffée, maquillée. Et je vous montrer la tenue. Attendez, regardez. Donc la tenue, ça rend comme ça. Hop. Comme ça. Et là, il y en a pas vu. Et c'est vraiment le moment que j'ai trop attendu. Et du coup, j'ai trop hâte. Je suis vraiment hyper contente. Du coup, je vais essayer de filmer un maximum. Ça va être un peu compliqué puisque on sera en noir. Donc je ferai de mon mieux. Et voilà. Let it go for tonight. Let it go. No!